Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 13 avec la séance Dead by Burby. La mort par les Burby en français. Et vous avez bien compris, le titre c'est la mort par les Burby en français. Donc c'est une séance particulière, on va tester votre résistance et votre endurance au Burby. On va travailler toujours avec la mode de Tabata. Donc le Tabata c'est 8 rounds de 20 secondes de travail avec 10 secondes de repos. Et le repos ça va être important aujourd'hui pour cette séance parce que c'est un peu particulier. Donc la séance Dead by Burby, comme vous avez compris, au programme, il va avoir que des burpees. Mais voilà, premier round, vous devez faire 5 burpees, deuxième round, 6 burpees, troisième round, 7 burpees, quatrième round, 8 burpees, après on redescend, 8, 7, 6, 5, 4. En gros, tu as 20 secondes pour faire tes burpees, le reste du temps, c'est du repos. Donc c'est tout à ton honneur. Alors pour cette séance, recommandation, vraiment là, si tu es blessé, bras, dos, cuisse, oublie cette séance, ne la fais vraiment pas, ça sert à rien de forcer. Ok? Et si t'es pas blessé, bah tu fais bien les mouvements, il faut que tu sois prêt. Donc on va commencer tout de suite avec la même musique qu'hier, électro. Parce que je sais que ça vous énerve, donc je mets une musique assez énervante pour que vous fassiez ça vite. Donc là, t'es parti pour faire 5 burpees le plus vite possible. Quand t'as fini, t'as le temps de repos. Et go. Round 1. Là, t'as 20 secondes pour faire le nombre de burpees et le reste du temps de tes 20 secondes, c'est du repos 5, plus c'est 10 secondes de repos. 4, donc si tu vas vite, 3, t'as beaucoup de temps de repos. 2, ok. 1, donc là, c'est parti pour faire 6 burpees. Ronde 2. À piquer, on part pour 7 burpees. Donc là, il faut vraiment mettre la cadence et pas perdre de temps. On y va, on bombarde. 7 burpees, go! 1, go! Parti, là c'est parti, on finit la montée, donc là on fait 8 burpees. 8 burpees, vous avez largement le temps de le faire en 20 secondes. 8 burpees, allez go! 1, go! Round 4. Sur la pyramide maintenant, on refait 8 burpees. Hein. Bah oui, on monte jusqu'à 8, on refait 8 pour redescendre. Allez go, c'est parti pour 8 burpees. 2, 1, go! Round 5. Et là, c'est reparti par 7. Je sais que là, vous commencez à me détester. Donc, depuis longtemps, vous me détestez. Mais là, vous me détestez vraiment. 4, c'est parti pour 7 burpees. Plus ça pique, plus c'est bon. 1, go! Allez, c'est parti pour 6. Donc là, c'est quasiment fini. On redescend, c'est largement jouable. Donc les 6 burpees, on pousse, on pousse, on pousse. Et ça va se faire. Allez, go. 2, 1, go. Round 7. Allez go, là c'est le dernier, 5 burpees. Théoriquement là ça devrait être facile pour tout le monde. Au moins tout le monde essaie de faire les 5 burpees classiques. Ok, allez go, c'est parti. 1, go. Round 8. Cinq, quatre, trois,
fini. Voilà, c'est la séance 13, elle est terminée. Dead by Derby, j'espère que ça vous a fait du bien. Ça a bien piqué. Pour demain, le jour 14, ça va être du core training. Donc on va travailler les muscles profonds de la sangle abdominale et aussi les muscles posturaux. Donc on va travailler, ça va être beaucoup plus calme, mais ça va aussi bien piquer comme il faut. D'accord ? Donc le protocole d'entraînement, c'est identique à la même. Donc là, c'est une séance burpee. Vous pouvez faire jusqu'à 3 fois la vidéo, mais je ne pense pas que vous allez faire 3 fois cette séance. Mixer les vidéos, ok ? 1 minute de repos entre chaque vidéo. Dormir entre 6h et 8h. Voire 1,5 litre d'eau minimum par jour. Il faut bien manger aussi. Les jus détox, ça aide pas mal. Ok ? En plus, il y a des bons fruits de saison. On en manque de vitamines quand même, pas beaucoup de soleil. Les fruits de saison, ça va être génial, ok ? Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein. Abonnez-vous, activez les notifications. On met un like, on partage la vidéo, on écrit un commentaire. Quant à nous, on se retrouve demain. Notre séance core training, ça va bien piquer. Et comme d'habitude, travail, rigueur, discipline et pas de sang blanc. Pas de sang blanc.